Et à présent, chers téléspectateurs, nous passons à notre débat principal centré sur la célébration de cet anniversaire du creusement de la nouvelle branche du canal de Suez, le nouveau canal de Suez, soi-disant. Et pour aborder ce sujet, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr. Aouf Ghaffar, qui est expert en économie et analyse politique. Bonjour, Dr. Aouf. Bonjour. Alors, premièrement, comment voyez-vous ce grand projet aujourd'hui, à peu près 7-8 ans passés, comment voyez-vous ce grand projet titanesque, je dirais, dans le temps, en 2014, qui était conçu par tout le monde comme un vrai chef-d'œuvre terminé en une seule année? Un projet, comme vous l'avez dit, un projet très important, un projet colossal, un projet qui a marqué le début de la volonté du peuple égyptien pour s'avancer, à mon opinion. Et, comme vous avez dit, c'était conçu pour 3 ans, mais ça a été complètement exécuté dans 1 an, ce qui représente vraiment un petit miracle. Et je peux parler des avantages que ce projet a marqué, plein d'avantages. Premièrement, sur le plan économique, premièrement sur le plan ingénierie, c'était vraiment une conception géniale et une exécution immaculée. Oui. De l'autre part, les effets sur l'économie sont innombrables. Premièrement, ça a réduit le temps de passage des navires, le temps de transit, d'attente, d'un côté, approfondir le canal et le doubler sur le plan son direction et sens ont augmenté le nombre de navires qui peuvent passer et maintenant, ça peut accepter les plus grands navires au monde. Oui. Et certainement, à cause de ça, c'est-à-dire le rendement a augmenté. Et maintenant, peut-être nous avons un 20 ou peut-être plus pour cent de rendement sur ce que nous avions il y a 8 ans. Ça va justement, encore une fois, créer des zones économiques tout autour. Ça va créer de nouvelles communautés tout autour, encore une fois. Et vraiment, ça a rendu non seulement à l'Égypte, mais au commerce international beaucoup de choses. Parfait. Également, une zone industrielle a été conçue à Ain Sokhna, juste apposant Suez, d'autre part, pour promouvoir, je dirais, le commerce à travers le canal de Suez. Absolument. Une zone au sud, comme vous l'avez dit, à Ain Sokhna, et puis une autre zone au nord, à côté de Port Saïd, des zones logistiques, des zones économiques avec des investissements étrangers. Nous avons maintenant, je pense que la Russie a commencé, la Chine va suivre, etc. Il y a tellement de projets qui vont prendre lieu dans ces zones. Il faut vraiment utiliser la différence que le canal de Suez a présentée à l'économie internationale pour exploiter la zone entièrement. Et je peux mentionner encore que non seulement le canal de Suez, mais il y a tellement de travaux qui ont pris lieu. Il y a des zones, il y a des nouvelles villes à Ismaïlia, etc., qui ont été construites. Il y a des tunnels, 3 au nord et un deuxième au sud. Il y a des ponts flottants, c'est-à-dire pour lier justement le Sinaï à l'Égypte. Une exploitation, ce qui va permettre certainement une exploitation extraordinaire du Sinaï, qui est un endroit qui est plein de richesses. Ça. C'est-à-dire, bref,
un projet, un grand projet, un méga projet, qui a rendu beaucoup d'avantages et à l'Égypte et à tout le monde. Certainement. On peut parler de ce projet comme le début d'une page de d'une multitude de projets gigantesques en Égypte. Suite à ce projet, il y avait les nouvelles villes en Égypte, il y avait plusieurs autres grands projets qui ont été entrepris en Égypte et qui ont, je dirais, ont fait une sorte de promotion pour l'économie égyptienne. Absolument. Ça, c'était le commencement. Oui. Ça a marqué le commencement de méga-projets en Égypte, mais ça a continué. Sur le plan énergie, on a pas mal exécuté des projets à non plus finir, c'est-à-dire des stations électriques vraiment qui ont changé l'Égypte d'un pays qui était en pénurie d'électricité à un pays qui exporte l'électricité sur le plan énergie, les oui. réseaux routiers, comme vous l'avez dit, les villes qui ont été construites. Et ce ne sont pas des villes normales, mais ce sont des villes qui sont construites avec une architecture excessivement moderne et avec tout ce qu'il faut pour le 21e siècle, c'est-à-dire des villes qui sont amis à l'environnement, des villes vertes qui utilisent les énergies propres, etc., etc. Oui. Donc, ça représente la nouvelle génération de villes avec tout ce qu'il faut sur le plan Internet, sur le plan technologie. Et ça va rendre encore une fois beaucoup d'avantages, au moins la décentralisation des grandes villes, des capitales, etc., comme le Caire, Alexandrie. Ça va aider à un peu vider ces villes et tout vers le mieux de l'Égypte en général, sur le plan économique, etc., et vers le mieux du citoyen égyptien, qui a joui pas mal de beaucoup de projets qui visent à l'amélioration de sa vie et de son niveau de vie. Oui. Concernant le canal de Suez, quels sont les projets que vous pensez que le canal ou l'autorité du canal de Suez doit entreprendre prochainement pour, je dirais, pourvoir des services adéquats pour les navires passant de part et d'autre du canal? Premièrement, je pense qu'on va continuer de façon à ce que, d'ici quelques années, le canal de Suez du sud au nord soit complètement deux voies, donc oui. Deux sens. Ça va encore augmenter le nombre de navires, etc., etc. Mais d'autre part, la position géographique du canal de Suez entre deux continents, avec les zones qui vont être établies là-bas, et je pense que ça va être vraiment une porte très grande pour les produits en provenance de l'Asie et même de l'Europe vers l'Afrique et vice-versa. Et je pense que l'autorité du canal de Suez continue non seulement à agrandir et approfondir le canal, mais à établir des centres de maintenance, service. Renouvellement, etc., pour les navires, pour justement offrir ce genre de service aux navires de passage. Également, si on parle de point de vue de commerce international, comment voyez-vous les zones qui ont été conçues premièrement pour être des zones industrielles qui alimentent le commerce international de part et d'autre du canal de Suez? En premier lieu, le canal lui-même, on a un 15%, 20% du commerce international oui. qui passe par là. Et ça augmente d'un jour à l'autre. Et le fait que c'est un passage
très stable, sécurisée, etc., etc. Nous avons vu que dernièrement, même avec les crises mondiales qui ont eu lieu, ça n'a pas changé. L'importance, au contraire, ça a donné un peu plus d'importance au canal de Suez. Et comme je viens de dire il y a quelques moments, il faut justement exploiter la zone du canal de Suez comme hub entre trois continents pour la circulation du commerce international et justement construire peut-être des centres de magasinage, des silos, etc. Oui, des Centres centres logistiques, soi-disant. exactement logistiques pour, disons, rapprocher les produits de leur usine Oui. aux utilisateurs, aux clients. Et Ça. ça représente pour le commerce international un pas géant, parce Parfait. que ça sert à améliorer le commerce en général partout au monde et particulièrement en Afrique. Parfait, docteur Aouga, par le terme de cette édition, nous tenons à vous remercier d'avoir été des nôtres. Merci à vous et pour vos explications. Je répète que vous êtes expert en économie et analyste politique. Chers téléspectateurs, malheureusement, notre temps arrive à bout. Au terme de cette édition, je tiens à vous remercier d'avoir été des nôtres et je vous donne demain rendez-vous avec une nouvelle édition de Bonjour l'Égypte. Au revoir.